Donc là, ce qu'on va présenter, c'est l'écran principal quand les joueurs sont en jeu. Donc assez simplement, pour un jeu dans l'espace, de manière très originale, ça représente un vaisseau. Je sais pas si vous pouvez. Donc, de manière très originale, un peu dans l'espace, on va avoir un vaisseau représenté qui va contenir la suite de ça et là où vont se déplacer les joueurs. La liste des actions possibles pour eux sur le côté. Quand tu cliques sur une salle, ça met à jour la liste des actions en fonction de la salle. C'est assez basique, ça se veut accessible et facilement compréhensible pour tout le monde. Donc, on ne part pas sur quelque chose de très compliqué. Voilà. Bah, au final, c'est vraiment l'implémentation de l'interface. Après, tout c'est. Les menaces, on n'a pas encore dit, on les mettait. À côté des salles. Elles apparaîtront dans la liste des actions et à côté des salles, effectivement. Et voilà, Garance, on fera des petits personnages. Lorsqu'ils font une action, on aura le droit à un super dessin de Garros. C'est dommage que je ne peux pas vous montrer les versions, parce que là, évidemment, sur le paperboard, en 2 minutes au stylo, c'est moins impressionnant quand on voit les versions complètes. Et... Voilà. Mais il y a beau dessin, il y a belle chose.